Bonjour, mon nom est Danny Gobeil. Moi, je suis le représentant du programme de génie industriel. Donc, je suis enseignant au Cégep de Jonquière. Je fais partie du département de génie mécanique et mes fonctions principales, c'est l'enseignement au niveau du programme de génie industriel. Donc, comme vous, il y a un jour, je me suis ramassé au Cégep. Donc, j'ai fait un DEC en génie mécanique et par la suite, j'ai fait un bac en génie industriel. Donc, vous voyez un peu la diversification. Donc, on peut faire de la mécanique et du génie industriel par rapport à nos études, ou ça peut être l'inverse. J'aurais pu faire un DEC en génie industriel et faire un bac en génie mécanique. Les possibilités sont là. Donc, si vous regardez dans notre présentation, donc on va voir la définition du programme de technologie de génie industriel. On va voir les différentes fonctions de travail et aussi juste vous dire que le programme a été révisé il y a quand même une couple d'années, mais il est encore d'actualité par rapport aux entreprises. Pour prendre comme exemple, on a pris une entreprise qui est régionale, donc c'est une entreprise qui est à Chicoutimi. La compagnie, c'est DeVinci. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est des fabricants de vélos. Ils font des vélos de montagne, autant professionnels qu'amateurs, et également des vélos de route pour les mêmes conditions, donc soit amateurs ou professionnels. Dans cette entreprise-là, ben, c'est certain que si vous regardez ici, c'est Yannick. Donc, Yannick, présentement, il est encore à l'emploi de Vinci et c'est lui qui est responsable de toute la production. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a des compétences comme la planification de la production. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est autant la gestion des stocks. On sait que les stocks, comme on peut voir sur la diapositive, il y en a beaucoup, hein? Donc, ça coûte extrêmement cher. Puis, le temps que ce stock-là est sur les tablettes, ben, c'est de l'argent qui dort. Donc, le programme de génie industriel, on essaie d'optimiser ces systèmes-là. Donc, au niveau de la planification, c'est qu'on essaie de réduire les stocks autant que possible. Et plus on va avoir une bonne planification, bien, meilleur on va être au niveau de nos résultats, au niveau de la fabrication. Ici, si vous regardez, bien, on parle aussi de planification et aussi d'ordonnancement. Donc, l'ordonnancement, c'est de s'assurer, parce que sur une chaîne de montage, exemple, c'est de s'assurer que les pièces arrivent au bon moment pour être assemblées sur les différents postes de travail. On a aussi ce qu'on appelle l'optimisation de postes de travail. Ça, c'est une compétence qui est très forte au niveau du génie industriel. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on essaie de faire par rapport à un poste de travail, comme on voit ici, c'est d'optimiser la façon de travailler. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, éliminer du gaspillage. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un gaspillage? Je vais vous donner un exemple. Si moi, je vais chercher ma souris à cet endroit-là, OK? Donc, le temps que je me rende à ma souris, donc, c'est un temps qui est plus long que si ma souris est ici. Donc, ça veut dire, c'est ça qu'on appelle de gaspillage. OK? Donc, le gaspillage, en fait, c'est ce qui ne donne pas de valeur au client. Si moi, je vais chercher ma souris à 2 mètres, puis si je vais la chercher à 20 cm, donc, le temps est beaucoup plus court. Donc, ça veut dire que ça me permet de plus produire de la valeur ajoutée, excusez-moi. Donc, cette valeur ajoutée-là, ben, c'est ça qu'on essaie de faire en génie industriel. C'est comme ça qu'on réussit à optimiser la production. Donc, c'est-à-dire qu'en éliminant, nous, ce qu'on appelle du gaspillage, donc le gaspillage, entre autres, c'est comme d'aller chercher une pièce trop loin, ou encore avoir des pièces ou des fabrications où est-ce qu'on retrouve de la non-qualité, ou encore de chercher des pièces ou de chercher des outils, de se déplacer d'un poste à l'autre. Donc, toutes ces choses-là, nous, en génie industriel, on essaie d'éliminer ça pour donner plus de rendement au niveau de la valeur ajoutée. Donc, ça, c'est sûr que c'est des grands thèmes, mais en génie industriel, c'est la partie prenante au niveau de l'organisation. Donc, si moi, j'élimine du gaspillage, donc, ça veut dire que je diminue mes coûts de production, puis, par contre, l'employé va travailler moins fort aussi. Parce que j'ai éliminé du gaspillage. Donc, ce temps-là que j'ai éliminé, ben, je l'ajoute sur le temps à faire de l'assemblage. Donc, ça veut dire qu'en fin de journée, je vais produire plus, donc ça va coûter moins cher. C'est ça le but du génie industriel aussi. Donc, c'est à tous les niveaux, on essaie de diminuer les coûts de production. Donc, si on revient au poste de travail, je vais vous en donner un exemple. Chez vous, quand vous êtes à la maison, vous avez des postes de travail. Bon, quand vous vous levez le matin, la première chose qu'on fait souvent, c'est soit qu'on va se faire un café. Donc, il y a une cafetière, il faut remplir la cafetière d'eau. Bon, on a tendance à mettre la cafetière proche de l'évier parce que l'eau est proche, ou encore si elle est loin, mais on va se déplacer plus. Donc, ça, c'est un peu votre façon de faire. Puis, quand vous arrivez dans la salle de bain,
Ben, vous ne posez pas de questions. Vous savez ce qu'allait votre brosse à dents. Vous savez ce qui sont les savons. Vous savez où est-ce qu'ils sont le séchoir ou peu importe. Donc, vous voyez, c'est quand même un poste qui est organisé en fonction de vos besoins. Donc, c'est sûr que votre brosse à dents, normalement, n'est pas en dessous de votre lit. Donc, elle devrait être soit dans un tiroir ou quelque part dans, proche de l'évier ou quelque chose du genre. Donc, ça n'est un poste que vous avez organisé vous-même. Et au cours des années, bien, vous l'avez optimisé pour que ce soit le plus rapide possible pour prendre votre douche. Parce que quand on est ado, bien, souvent, on a plus tendance à vouloir dormir plus. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'aller plus rapidement au niveau de nos besoins corporels. Donc, suite à ça, bien, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de pause de travail. Donc, nous, à partir de là, bien, il faut ce qu'on appelle aussi écrire la façon de travailler, parce que s'il y a un autre employé qui vient travailler à ce poste-là, bien, il faut qu'il ait les mêmes habitudes qu'un employé qui est là présentement. On a aussi tout ce qui est par rapport à la qualité. Donc, quand on produit des pièces, puis que les pièces ne sont pas bonnes, bien, il y a deux possibilités. Soit qu'on les met à la poubelle, ou soit qu'on les répare. Donc, si je mets du temps à les réparer, donc ça, c'est ce qu'on appelle de la non-valeur ajoutée, encore une fois, qui va payer ce temps-là? Bien, ça va se retrouver sur les vélos qu'on va vendre aux clients. Donc, ça veut dire que ça augmente mon prix de vente. Ou encore, si la pièce, on ne peut pas la réparer, mais elle va à la poubelle. Encore une fois, ça augmente mes coûts de production. Donc, vous voyez, là, c'est directement relié avec ce qu'on a toujours comme objectif. Ça veut dire qu'un des objectifs principaux au niveau du client, c'est d'avoir des produits de qualité et que ça coûte le moins cher possible. Donc, plus on va faire de la non-qualité, bien, plus mon produit va augmenter de prix parce que moi, en tant qu'entrepreneur, normalement, on veut faire des profits. Bien, pour faire des profits, bien, si je veux vendre les vélos que j'ai achetés, bien, on sait très bien que je ne suis pas capable de les vendre. Donc, il faut que je prenne ce coût-là puis je le mette sur les coûts des vélos que je vais vendre. Donc, ça a tendance à faire augmenter le prix au niveau de la vente. Donc, si mon vélo est trop cher ou si mon vélo n'est pas de bonne qualité, bien, je risque de perdre des clients. Bon, avant de poursuivre plus loin, j'aimerais ça vous présenter une vidéo à l'intérieur d'une usine, puis vous allez voir qu'on c'est des étudiants qui sont en stage dans des entreprises et ils vont faire un témoignage par rapport à leur stage. Parce que le programme de génie industriel, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a alternance travail-études. Donc, ça veut dire qu'on va, en même temps qu'on étudie, quand on arrive à l'été, bien, on vous trouve des stages rémunérés dans les entreprises. Donc, que ce soit en première année, deuxième année ou troisième année, donc vous pouvez avoir la possibilité de faire trois stages durant l'été. Et le dernier stage, lui, on le fait durant l'hiver, c'est-à-dire à partir du mois de mars aller jusqu'au mois de juin. Ça, c'est votre stage final. Donc, vous le faites à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ça vous permet de vous familiariser avec ce que vous avez appris au niveau des compétences par rapport à l'entreprise. Donc, voici une vidéo. Nous, dans le fond, ce qu'on fait aujourd'hui, ça vise à simuler une production dans une usine. Fait que, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a défini tous les postes de A à Z, toutes les tâches, les procédures, pour, à la fin, c'est ça, monter, dans le fond, un produit. Puis moi, ma tâche en tant que génie industriel, c'est d'optimiser tout ça, de rendre ça plus fonctionnel et tout ce qui a trait à l'aménagement aussi. C'est une simulation, c'est ça, modèle réduit. L'essentiel reste le même. On a un inventaire de pièces. Tout ça, il a tout fallu rentrer ça là, dans des programmes faits pour ça, pour la planification. Après ça, c'est ça, on a tout géré tous les aspects de la production. Comme je vous dis, autant l'aspect aménagement des postes de travail que l'aspect trouver les fonctions, tout trouver là, au complet. Là. C'est comme une vraie simulation, mais à petite échelle qu'on fait ici. Là. On a des pièces, un procédé, des procédures. Puis dans le fond, c'est ça, c'est de les réaliser puis de tenter par la suite de les optimiser. C'est une pratique à faire face à tous les aspects, dans le fond, là, d'une production puis de tout ce que ça peut occasionner. Je pourrais m'attaquer à des problèmes d'aménagement, des problèmes face à des procédures ou carrément créer des nouvelles procédures pour un nouveau procédé ou pour un procédé qu'on a déjà optimisé. Ça pourrait faire partie de ma définition de tâche. Ensuite, sinon, c'est comme je vous dis, là, de mettre en place tous les outils et les systèmes là, qui peuvent nous faire gagner du temps, dans le fond, éliminer les gaspillages, puis réussir là, à améliorer le résultat global. Dans le fond.
qu'un poste, le but, c'est qu'il soit le plus fonctionnel possible. Fait que dans le fond, tout ce qu'il y a, la disposition des équipements, des outils, ensuite ce qu'on va retrouver sur le poste ou qui va être disposé, tout, ça vise tout à rendre le tout plus fonctionnel. Pas avoir plus ni moins aux bonnes places, puis le plus facilement atteignable. Le projet s'appelle Alternance Travail-Études, mais en fait, comme là, présentement, on finit notre session. C'est une session qu'on a lancée. Je vais aller 3 mois en stage, puis j'en reviens 2 semaines pour finaliser notre rapport. C'est tout. Sinon, on a des rapports à remplir durant le stage, mais non, c'est que du travail. Dans ce temps-là, c'est temps plein. On est payé en plus, fait que c'est plaisant. Ce que j'ai aimé le plus, c'est d'aller sur le terrain. On a eu l'opportunité de voir beaucoup de systèmes, beaucoup de projets en collaboration avec le Cégep de Jonquière. Puis ça a été vraiment plaisant de voir pas juste l'aspect théorique, mais aussi l'aspect pratique sur le terrain. En plus, les réalisations qui ont déjà été faites, fait que, c'est du concret. Puis, c'est certain, c'est ça. C'est toujours intéressant de voir en dehors des lits. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Puis, si tu veux des résultats, c'est le même que tu fasses. Donc, pour faire suite aux vidéos, on retourne chez DaVinci. Si vous regardez ici, chez DaVinci, ils ont ce qu'on appelle une ligne d'assemblage. Donc, on sait très bien que les vélos, on en vend plus ou moins l'hiver, à moins d'être dans un secteur où est-ce qu'on n'a pas d'hiver. Mais au Québec, ben, on sait très bien qu'on a l'hiver. Donc, ce qu'on appelle des ventes cycliques, ça veut dire que les vélos, souvent, on les vend plus l'été qu'on en vend l'hiver. Donc, la chaîne de production, elle décolle en décembre. Et souvent, ils ont différents modèles à assembler. Fait qu'ils s'assurent que toutes les pièces qu'ils avaient à recevoir, parce qu'oubliez pas que sur un vélo, de Vinci, la seule chose qu'ils font, c'est le cadre. Tout le reste, c'est toutes des pièces qui proviennent de différentes entreprises, comme Shimano, des choses comme ça. Donc, c'est des pièces qui viennent un peu partout dans le monde. Donc, eux, dans la chaîne d'assemblage, bien là, c'est tout séquencé. Donc, chacune de ces séquences-là, bien, c'est un technicien en génie industriel qui les définit. Donc, dans la chaîne d'assemblage, on va disposer les outils, les pièces. On va s'assurer que toutes les pièces sont proches de l'assemblage pour que la personne qui travaille sur la chaîne ait le moins de déplacements possible. Donc, ça, c'est un exemple, entre autres. On appelle ça de l'optimisation de ligne de production. Donc, puis aussi, il faut s'assurer que l'employé qui est ici et l'employé A ou l'employé B, bien, que leurs tâches prennent environ le même temps pour que ça soit régulier au niveau du déplacement des vélos sur la chaîne de montage. On a aussi, dans nos cours, qu'on a, c'est de partager. Donc, dans le génie industriel, une chose qui est importante, c'est qu'on travaille beaucoup en équipe. Donc, étant donné qu'on travaille en équipe, bien, on n'a pas le choix de développer cette compétence-là. C'est pour ça qu'on a aussi des cours qui vont nous permettre, comme des cours de communication ou des cours de psychologie du travail ou encore des cours de gestion de personnel, parce que ça nous amène aussi à être capable de coacher des employés dans l'usine, donc ou encore à devenir superviseur ou encore à organiser des postes de travail, mais en équipe multidisciplinaire. Donc, ça veut dire que vous êtes le coach de cette activité-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut développer votre communication et surtout le travail d'équipe. Parce que travailler en équipe, c'est pas toujours simple, mais l'objectif du génie industriel, c'est d'être capable de travailler en équipe. Et plus on va travailler en équipe, plus on va arriver à des meilleurs résultats. Donc, c'est un peu pourquoi qu'on va suivre des cours qui sont un peu complémentaires au programme de génie industriel. On a aussi ce qu'on appelle, nous, ça c'est comme l'aménagement d'usine. Donc, souvent, quand on veut implanter une usine ou encore qu'on veut améliorer notre usine, donc on va faire ce qu'on appelle un nouvel aménagement. Donc, ça, c'est plus global. Donc, ça veut dire qu'on va déplacer des équipements. Donc, c'est souvent, ça implique beaucoup d'investissements. Donc, vous, dans le programme de génie industriel, bien, cette usine-là, on essaie de l'optimiser encore une fois. Quand on parle d'optimisation, c'est toujours de réduire les transports puis les déplacements, puis tout voir au niveau de la circulation des chariots élévateurs ou encore des systèmes de transport de pièces. Donc, c'est bien important de faire un bon aménagement qui soit le plus possible optimal. On va parler rapidement de la révision de programme. Donc, la révision a été faite. Donc, en parlant de la révision, donc on a changé les conditions d'admission. On a rajouté des nouvelles compétences comme coordination de la production ou gestion de projet. On a aussi implanté le programme en alternance travail-études que je vous ai parlé au niveau des stages. Et aussi, ben, je vais vous présenter également les différentes entreprises. Donc ici, ce qu'on voit, bon, ça c'est vos critères d'admission. Il y a une chose qui est importante dans les programmes des techniques physiques,
c'est souvent un peu ce qu'on appelle les mathématiques, OK, ou encore les sciences naturelles. Donc, les mathématiques sont bien importantes. Donc, vous devez avoir les maths 436, ça, c'est l'ancien programme. Aujourd'hui, les maths du secondaire 4, ça s'appelle TS4 ou SN4. Donc, ça vous prend ça comme critère d'admission ou avec aussi le diplôme du secondaire 5 pour vous faire une demande d'admission pour le programme de génie industriel. Bon, les différentes compétences, on les a vues un peu par les images tantôt. On va juste faire un petit résumé. Donc, on parlait au niveau des méthodes, on a parlé d'aménagement. Le prix de revient, on n'a pas parlé, mais ça, c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire qu'au niveau de l'entreprise, moi, quand je fabrique, bien, je veux savoir comment ça coûte pour être en mesure de vendre le bon prix à mes clients. Okay? Donc, si on revient encore à De Vinci, bien, De Vinci, il ne vous vend pas le vélo directement, mais il va vendre le vélo à une entreprise qui vend des vélos, Sport Expert ou encore d'autres types de magasins. Aussi, au niveau de l'optimisation de la production, on a parlé, la planification, la gestion des stocks, on a parlé, produire des documents techniques, bon, gérer la gestion de projet. Gestion de projet, ça s'applique plus lorsqu'on fabrique, exemple, des gros projets, donc on fait une nouvelle route ou encore on fait des barrages, donc on va plus utiliser ce type de planification-là. Aussi, également, contribuer à l'instauration d'un programme d'assurance qualité, la supervision de production et aussi, quelque chose qui est bien important que je n'ai pas parlé, c'est au niveau de la gestion d'entretien. Donc ça, ça fait partie aussi. Donc vous voyez un peu, là, c'est une formation qui est un peu multidisciplinaire. Donc le but de tout ça, c'est de devenir des bons gestionnaires de production. Le programme d'alternance travail-études, j'en ai parlé. Ici, vous avez des exemples d'entreprises, entre autres. Il y a les produits Gilbert qui est à Robertval. Il y a le groupe Canmec qui se trouve à Chicoutimi. Vous avez De Vinci. Donc, c'est différentes entreprises, sociétés PCP, différentes entreprises régionales où est-ce qu'on on est capable de faire affaire avec les entreprises au niveau des stages. Normalement, actuellement, on place environ 90 % de nos stagiaires en région. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement à Chicoutimi, ça peut être au Lac, ça peut être à Saint-Félicien, à la baie, donc dans les différentes municipalités de la région. Et il y en a quelques-uns qui désirent aussi aller à l'extérieur, donc il y a une possibilité aussi, soit d'aller à Montréal ou encore à Québec, ça c'est tout dépendant selon votre choix. Bon, le taux de placement, bien, régional, comme je vous le dis, c'est, on peut dire 90, puis salaire moyen après 6 mois, bon, bien, c'est sûr que ça évolue beaucoup, là, mais normalement, je vous dirais qu'après plusieurs années d'expérience, bon, vous pouvez avoir des salaires qui sont quand même bons, tout dépendant. Donc, vous pouvez accéder à des postes de directeur de production. Donc, plus vous allez avoir des postes qui sont importants, bien, plus la rémunération va venir dans ce sens-là. Bon, c'est certain qu'en sortant de l'école, on n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, il faut le comprendre. Là, les salaires, ils ne décollent pas à 100 000, là, mais il y a une possibilité de s'y rendre. Donc, ça m'a fait plaisir de vous présenter le programme de génie industriel. Et en finissant, donc, on va aller voir une vidéo d'étudiants, encore une fois, qui sont en laboratoire dans une classe. Donc, c'est des étudiants de troisième année qui ont organisé une production. C'est sûr que c'est à partir d'un jeu, mais quand même, là, ça reflète une certaine identité par rapport à l'industrie. Donc, je vous remercie et à la prochaine. Je retrouve Sabrina Potvin aujourd'hui dans une usine à Arvida. On appelle ça les entreprises GRC. Bonjour Sabrina. Bonjour Marie-Christine. Pourquoi tu m'amènes ici aujourd'hui? En fait, pourquoi on est dans une entreprise aujourd'hui, c'est pour démontrer un petit peu la réalité que vivent nos étudiants parce que évidemment, ils sont dans nos laboratoires au Cégep de Jonquière, mais ils se retrouvent également sur le marché du travail. On a entre autres deux stagiaires qui sont chez les industries GRC pour faire un stage, donc ils ont la chance d'avoir un contact direct avec le milieu du travail, de mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant leur formation. Et les deux étudiants qu'on va voir aujourd'hui sont en alternance travail-études. Donc, ils ont deux stages de plusieurs semaines. Ils sont ici pour justement là, vraiment apporter ce qu'ils ont appris dans leur formation de façon concrète. Et ça prend même la forme d'un emploi là, parce qu'ils sont rémunérés pour faire ce stage-là. La formation, quand on parle de génie industriel, c'est une très belle formation, très complète.
Oui, c'est une formation également très concrète parce que son rôle aux techniciens en génie industriel, c'est vraiment d'optimiser la production. C'est ça son objectif, de travailler avec les différentes personnes dans l'entreprise. Et il s'implique à différentes étapes, que ce soit pour la gestion des inventaires, la gestion des stocks, travailler sur l'aménagement des postes de travail, améliorer les façons de faire, va proposer des nouvelles méthodes de travail, proposer des technologies novatrices pour vraiment arriver à une production efficace. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une entreprise qui produirait des pièces d'aluminium ou, entre autres, sur une chaîne automobile, bien, l'étudiant va, ou le technicien génie industriel va travailler aux différents postes de travail pour s'assurer que la séquence de production roule bien. Donc, il va vraiment là, proposer des choses pour s'assurer, par exemple, que quand on arrive pour assembler les freins, on a toutes les pièces nécessaires, que le poste de travail est efficace pour l'employé aussi. C'est un petit peu comme un chef d'orchestre qui voudrait s'assurer que tout fonctionne bien, là, dans l'entreprise. 3 ans d'études, donc alternance, travail et études. Et après 3 ans, ils sont prêts pour aller sur le marché du travail. Exactement. Donc, après leurs 3 ans, ils ont fait 2 stages de 10 à 12 semaines et ensuite, ils peuvent intégrer directement le marché du travail. Et bien sûr, il y a une bonne possibilité d'emploi dans ce domaine-là. Je pense que les taux d'occupation, les taux d'emploi sont bons. Oui, les taux de placement sont très bons. On a plusieurs demandes de stagiaires ou encore d'emplois étudiants. Après, les étudiants ont de la facilité quand même à se placer parce que c'est un poste qui est vraiment en devenir, qui prend de l'expansion. Les entreprises ont besoin d'améliorer leur productivité, d'être efficaces, de s'assurer que la production est rentable aussi. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de venir faire mon stage ici parce que c'est une belle usine, puis en plus, il y a une belle mentalité de changement, puis tout, puis je sens que je peux apporter quelque chose à cette entreprise-là. Puis, en même temps, ça me permet de voir aussi sur le terrain à quoi ça ressemble, puis faire une expérience de travail aussi. Je peux être appelé à faire vraiment toutes sortes de mandats, autant sur le plancher que dans les bureaux, ou les deux, comme là, présentement, je suis sur un mandat de faciliter le processus de tout ce qui entoure à travers aux soumissions. J'essaie de faire concevoir un chariot ergonomique pour les travailleurs, là, mettre des vis, les rondelles, les écrous, tout à la même place pour que le matin, quand ils arrivent dans le magasin, ils ont leurs outils. Puis quand le chariot se fait déplacer vers les boss, ils n'ont pas besoin de tout le temps aller au magasin puis chercher les outils puis les matériels. Fait que je fais ça, puis aussi des murs 5S pour l'atelier de peinture. Fait que ton rôle, c'est vraiment de rendre la vie un petit peu plus facile pour les travailleurs. Oui, finalement. Bien, pour nous, génie industriel, ça nous aide dans différents secteurs d'activité comme santé, sécurité, la qualité, l'efficacité pour la production, le respect des délais de livraison. Il y a plusieurs facettes, processus qui peuvent nous aider afin d'améliorer nos performances.